Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15, donc pour la carrière avec l'Olympique Lyonnais. Alors comme vous pouvez voir, on est deuxième meilleur buteur avec Lacazette, juste derrière Dziouba. Bon, désolé si je dis mal le prénom, ou le nom de famille, je sais pas. Alors, donc on va tout de suite commencer par jouer le match. Attendez, parce que je sais pas quel propos j'ai mis. Tac tac tac, c'est bon compo. La compo est bonne. Alors c'est reparti. On espère pouvoir gagner le match pour finir d'enchaîner. Là on est juste avant la trêve. La trêve en vrai quoi, mais nous on est encore pas à la trêve. Hein. On attendra un peu avant ça. Ouf, non, c'est bon. Allez, gars, faut gagner. Compte pour vous. Attendez, par contre. Ces interventions sont bonnes. Attendez, par contre, je vais régler le... Paramètres de jeu. Audio. Commentaire. C'est bon. Là, c'est bon, on prend le match. C'est bon, allez, c'est parti. Cette équipe de Ligue est assez défensive pour pas trop la connaître, mais qui, voilà, qui joue beaucoup en contre et faudra être vigilant quoi. Merde. C'est pas pour... But dans cet épisode, ne pas se prendre des buts. Le but de cet épisode n'est pas se prendre de but. Le jeu de mots. Allez. Oh non! Putain, pourquoi il a laissé la balle sur le terrain? Allez les gars, c'est reparti, c'est reparti. Oh non, de merde, voilà, c'est bon. Impeccable. On n'espère pas de se prendre de but. Ça va, il y en a deux au fond là-bas. Faire gaffe à ces corners de merde. Alors j'aime pas du tout ces situations-là là, parce que t'as des vieux cafouillages de merde là. Ah, encore corner, merde. Oh le pire. Les gars. Les... Non, c'est bon. On sort. Sortez. Non. Mais non, faut pas lui remettre à lui. Hein. Saisir sa sœur. Nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. C'est l'Olympique Lyonnais qui va affronter et Montpellier à l'extérieur. Maintenant, nous allons essayer de faire vivre dans les meilleurs. Bon, alors attendez, tac, ça va. Je dois garder des balles et des points. Je sens qu'on va avoir du mal dans ce match. Allez, si on se concentre. Allez les gars. Oh mais putain, mais il m'énerve. Oh mais... Putain, mais en pro, ils font des gestes comme ça. Hein. Mais non. Putain, mais il m'énerve alors. Okay.
ce sera pour le compte de la Ligue 1. Je mise évidemment hein, sur une victoire facile pour eux. Allez les gars, on essaie de produire notre jeu. Putain, il y a une bonne défense centrale qui est énorme là. Ils sont vachement techniques hein. Ils jouent vachement bien là. Faut qu'ils aillent rester sur la défensive, mais c'est plutôt qui. Il joue le jeu. Ah non. Maxime Gonalon. Elle lui remet. Attention, ne pas commettre de faute. Attention. Oh non, merde. Pas grave à faire avec. Alors allez. Ouf. Attends, on a failli marquer là. J'ai bien aimé aussi le corps là. Oh. Le vélo. Ah non, il peut faire. Ok. Alors faut qu'on se concentre. Là. Pour un gaucher ça m'a dit. Bon, pour un corner. Il était quand même bien parti. Je pense que le gardien était battu. Allez. Allez, allez, allez. Oh non, oui, oui, oui. Non. Putain de merde. Allez, allez. Non, non. Alors, donc bah à part un peu, peu importe, 0-0 à la mi-temps, donc ouais, là c'est bon, on joue ensemble, élimination de part 2. J'ai juste que je me réveille. Allez. Mais non. Non mais pourquoi toi tu. Pourquoi tu étais pas comme les autres, tu t'es fait bouffer. Bon par contre je vais le voir parce que j'ai peur de moi. Putain mais il fait chier à trimballer lui. Allez, oh. Je peux arrêter de me trimballer un peu. Putain de merde. Pro, c'était bien joué ça. Ferry et Fekir. Bien joué Fekir quand même. Oh putain. Allez. Je pense que c'est quelque chose de changé maintenant. Enfin non, parce que j'en avais marqué avant de faire les changements. Parce que... Allez, vous faites votre film. Putain merde, c'est le téléphone qui sonne. Attendez, donc j'arrête la vidéo. Donc les amis, donc excusez-moi pour coupure de merde, parce que...
Putain. Mais non, c'est pas ça, il fallait faire grenier. Non. C'est toi qui pouvais faire une bonne passe. On va faire quelque chose, non? On va rentrer. Non. Éviter. Yep. Ballon hors des limites. Apporter de la vitesse en attaque. Ah, c'est passé à l'entraîneur qui va procéder à deux changements simultanés. Diatara. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Et il y a pas un tableau qui compte pas, il y a un tableau qui compte lui. On l'a gagné aussi, quoi. Putain de merde! Où tu es? Pourquoi on veut le prendre en quête? On touche pour l'Olympique Lyonnais. Allez! Je vais bouffer. Oh non, mais c'est lui, il a fait le bouffer. Il fait chier. Il fait rien. Non! Oh, mais que bande d'autistes! Oh non mais... Ah je pense qu'on pourra mettre un cube de merde pour ce... Putain mais à chaque coup c'est le dernier joueur qui est merde. Se sont gênés! On va dire que c'est la fatigue. Ouais! Oui, la tablette! Oui! Oui, c'est bien cette célébration-là, c'est ça qui. C'est ça que je veux, c'est ça. C'est ça. Yatara, oh oui Yatara, non, c'est pas bon ça. Attendez, on va faire quelques changements quand même. Sortir petit grenier. Yes. Les Lyonnais sont montés sur ce corner très important. Oui, je crois que c'est le deuxième but de Zuma. Ou le premier ou le deuxième, je sais plus. Je sais plus tellement de marre. C'est trop beau ça quand t'as un match qui n'était vraiment pas bien parti. Enfin, je suis dominé quand même parce que 8 tirs à 1. Mais... Il fallait que je... Ouais, malgré un manque de concentration de notre part, on a... quand même à bah, normalement même chez match. Je dis bien normalement parce que avec moi tout est possible comme ça. Ouais, malgré un manque de concentration et de réussite. Ah ça c'est Gourcuff la personne. C'est pour ça que j'ai laissé le banc parce que il a pas assez de. Bah, il a pas assez de punch. C'est le panique. Attendez, on va regarder un peu ça. 42% et bah, la position de change de jamais. 9 tirs à 2. 6 cadrés à 0. Putain, Paris a gagné 4-1 contre Monaco. Ah, ça c'est con. Ça. Attendez, on va regarder au classement. Ah, on est deuxième. Deuxième. Attendez. Sûrement explosé. Auteur a une très bonne performance. Second apporteur. Ouais.
J'espère qu'il augmente. Ah oui, il augmente en général, les gants. Les gens, c'est bien, c'est bien. Par contre, attendez, parce qu'on est mal là, parce qu'il est fatigué là. Attendez, on va voir le calendrier. Donc, genre, on va y voir ça. Oh, j'étais frustré, qu'est-ce qu'on a à foutre? Il y en a d'autres qui sont frustrés, hein. Allez, on va aller faire un petit deuxième match, les gens. Deuxième match. Je crois que... attendez. Ah, on a un but. Ah oui, je vais regarder le calendrier aussi. Ah ouais, par contre, là. Ah oui, par contre, on a un gros match qui nous attend après. Un gros match qui nous attend après. Il va falloir bien se préparer, les gens, parce que contre Marseille, c'est le match à pas perdre, parce que si on arrive à creux... à gagner ce soir et qu'eux ils paient bah, ce soir ouais. Si on arrive à gagner tout de suite et qu'eux ils perdent, ça serait vraiment une oh. Ça serait vraiment un bon truc pour nous, je pense. Bim. Attendez, on va finir ça parce que c'est marrant. Bon, c'est pas grave. On va arrêter. Les pires difficultés en ce moment et qui reste sur le Allez banc. les gars. Il va travailler à l'entraînement pour retrouver sa place. La casette. Et qui va se relever le premier. Qu'est-ce qu'il peut... L'occasion peut-être. Oui, la casette! Oui, tu le rattrapes! Tu le rattrapes et tu vas le dépasser parce que moi je vais dire... Bouh! Bouh! Ça c'est bon. Ça c'est du bon les gens. Ça. Ça, putain, je ne le laisse pas partir. Là. Si on le vend, je sais pas combien de temps on va durer cette carrière. J'espère que on fera au moins deux saisons. Ouais, tu pourras faire. Bon, pas besoin. Lidiali. D'accord. C'est même pas Geoffrey Jourdain. Geoffrey Jourdain. Bon bah par contre ils ont compris comment défendre sur moi. Ça c'est bête. Allez ça fallait. En place. Billy Bolton. Par contre j'allais, qu'est-ce que tu fous là? C'est propre ça. Merde. Oh là Ouais, là, la justesse et la calotterie. ouais, Bon, Zouma. signe du défenseur. C'est bien, Allez, ça, c'est c'est regardé bien. de nouveau ce but. Henri. Renier. Un passé appuyé. Ça, Golo, c'est un mec qui se bat, ça. Putain, il se bat. Si on arrive à finir premier, qu'on peut aller en Ligue des Champions, mon gars. Mais ça, je pense qu'on fera deux saisons parce que... Comme ça, pour aller en Ligue des Champions, c'est... Bien ma gueule. Merde. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Ils ont du mal, hein. T'es crasse pas, t'es crasse pas. On a besoin de toi contre Marseille, c'est juste pour qu'on monte au niveau C. Là c'est moyen. Ah mais cap, me v'là sur le banc, loin de là. Ou c'est peut-être l'autre. Donc. Gonna retard de ma soeur, toi aussi faut que je te le garde. Oh le pire c'est cette. La casette se blesse, enfin ça le pire de toujours.
punir du prochain match de Montpellier. Le club va rencontrer le Stade de Reims pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Une équipe qui devrait souffrir face à cet adversaire. Sur le papier, l'écart me semble bien grand. La défense qui récupère. On va voir si ça passait ça. Celle-là. Interception. Montagno. Alors, ouf. T'as fait qui? Fekir qui marque pas beaucoup, mais il a une place importante dans mon effectif parce que il amène de la percussion et tout ça. Bien un genre de mec là qui est là en pointe, mais qui distribue les ballons, qui est là pour qui est là pour même s'il marque pas, et ben il donne les occasions aux autres de marquer, comme s'il obtient un corner avec un corner en arrière, tout ça. Voilà, c'est le coco la balle. Ok, il y a derrière moi. Gonalon, t'es pas besoin de l'occasion. Voilà. Maxime Gonalon. Non, ça n'a pas voulu là. Ah non, putain, j'arrive. Ah, il y a Yatara qui s'entraîne. Tu vois? Ah, il y a mi-temps, oui, déjà. Alors attendez, Marseille, Marseille. Ah, ils font 0-0, ça c'est bon. Tu peux me mettre dans la vieille. Oui. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. 9 buts. Et comme Marseille n'a encore pas marqué, et ben normalement, on est meilleur buteur. Si Marseille ne gagne pas, on est meilleur buteur. Normalement. Enfin, si ils gagnent pas, s'ils marquent pas, surtout. Enfin, si leur buteur marque pas. En plus il est mal démarré sa saison avec les mecs. Allez moi aussi je vais faire des changements. En rentrée petit Dani. Yatara aussi. Tac c'est bon. On va sortir la casette pour qu'il se repose un peu. Allez, fais clair. Je peux remarquer quand il me sort. Allez. Ah, mais... Il obtient un corner. Oh non, c'est pas pour tirer, j'en ai. Ah non. Allez les gars. Par contre j'ai fait mes 3 changements là, ouais, donc c'est bon. Normalement. Par contre, bah, on attendra le prochain épisode pour faire le match contre Marseille. Oh non. Ah non merde. Ah j'avais dit de pas me prendre un but mais... Excusez-moi. Ah, je voulais voir. Ah, pardon. Donc voilà, il y a pas mort d'homme comme je disais.
Donc le tuto était sauvegardé puis au moment où il y a besoin. Oh! Putain, j'ai un peu beaucoup plus de tuto. Non! Ah, ça m'énerve. Quoi là? Il y a péno, il y a... Non, il y a coup franc. Non, non, il y a coup franc. Donc on va faire tirer chez qui, je pense? C'est à gauche. Oh non, de... Non, c'est quoi? À droite, Grenier, à gauche. Alors qu'il grignote quelques centimètres. Pas de carton. Mais dès qu'il fait signe mieux de reculer. Non, on est gros là. Non, j'ai même donné mon truc. Non, c'est pas ça. Ouais. Pourquoi, pourquoi. Je suis sûr qu'il va Marseille. Je suis sûr que contre Marseille, ça va leur veiller. Je suis sûr, je suis certain. Ah oui, il y a Taran. Par contre, lui, je suis sûr qu'il va marquer. Pou pou pou. Pra, pra. 3-1, bim 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 bim. Yotara, il s'arrête avec Opierre. 2 buts en Ligue 1, bim bim. Un but contre Paris et un but contre... Je crois que c'est un but contre Paris et un but contre Montpellier. Bien joué. Là, là, ça c'est bien. Allez, récupérons ça. Non. Ah, je t'ai offert un truc là, il y a pas. Ce Fekir ne pouvait pas aller au fond. Bon bah je crois qu'on va mettre un petit 4 hein. Oh non! Oh comment c'est chier! Ah, elle est même pas touchée, c'est carrément chier maintenant. Oh Denis qui l'ont chié. C'est qui arrive tout ça? Putain mais nous de là. Ça se voit que mes milieux gauche et mes milieux... Ben, j'en ai pas mes milieux droit, tiens. Et mon milieu gauche ne joue jamais, puisque ben, j'en ai pas. Oh. Ah, c'est bon, allez, hop. Normalement, on a gagné ce match. Là, ma gueule. Normalement, ce match est pour nous. Oh, non. Attends. Voilà, donc les... Putain, c'est bien fait, les marches, un peu. Ah, bien fait. C'est un peu mort, hein, je trouve. Ce match bizarre qui s'achève donc. Alors attendez. OM a fait 0-0. Ça veut dire qu'on est égalité avec l'OM. Par contre, normalement, on doit avoir plus de buts. Ouais, ma gueule. Alors, point 24, 24, 24, 24. Différence de buts. Ah ouais, d'accord, ils ont 0 et nous on a... Ah ouais, nous on a 8 victoires, ils ont donc 7. On a 3... Ah ouais, ils ont... Nous, on n'a pas... Nous, on a jamais fait de nul, en fait. Attendez, les derniers c'est Metz. 4... Putain, que 4 points ils ont. Ils ont qu'une victoire, un nul et 8 défaites. Alors attendez, il y a Girondin de Bordeaux qui nous talonne. Faudra pas perdre contre Marseille. Merde le con. Faudra pas perdre contre Marseille. L'homme en forme. C'est qui? Ouais, non. Nabil Fekir est
illustré récemment tant que bien qu'il est devenu l'élément clé de l'effectif, des superviseurs auraient pris bonne note de sa progression. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon allez, on va passer ça, on va arriver à Marseille et puis bah on va se quitter. Il faut bien se quitter un moment quand même. Oui, par contre, c'est quand qu'on a un match là? Ils attendent 4 ans pour nous faire un match là? Hein? Je veux que je trouve des trucs de Turquie dans les... Oh. Donc, je reste sur Lyon. Mon objectif. Ah, je peux vous parler un truc à mon avis que je titularise. Alors, si tu questions, le match est crucial pour cette saison, je me sens bien, je pense que je serai. Non. Rachid Ghezal, je suis vraiment content de mon football en ce moment, je m'en bats les couilles. Oui, actuellement, je ne me sens pas bien, je ne suis pas le nier. Je tiens à ce que le débat soit ouvert entre nous et vous sachiez ce qui se passe. Je saurais faire la part des choses, mais c'est pas facile quand on est loin de chez soi. Je n'en ai pas encore parlé à mes agents parce que je veux contacter l'entraîneur et veux voir. Le plus important pour moi, c'est de continuer à bien travailler pour vous et pour l'équipe. Ah, il veut se barrer. Quel bâtard. Bon, bah moi, je crois que les amis, on va se laisser pour cet épisode. Hein, sur ce... Bah, sur le cinquième épisode de la carrière suivie sur FIFA 15. Donc, likez, partagez, commentez. Et donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!